Madame Missier, bonsoir. Merci au fin Zouanou pour l'information. Nous proposons un titre qui nous peut développer dans nos journaux ensemble. Campagne nationale unie contre la drogue peut poursuivre dans le pays. Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth peut continuer à écouter la voix Banzen pour trouver solution dans sa combat-là. Faire ban l'étude en médecine dans Maurice est un choix pour beaucoup Mauriciens, mais aussi ban étudiants indiens et africains. Zodi, 206 étudiants finent 15 diplômes. Après, Metro Express Limited peut promouvoir sécurité et inclusion pour tout le monde à travers ce ban campagne et dans ban mesure sécurité et ban facilité pour ban malvoyants et non-voyants qui servent Metro. Après la province Hunan dans la Chine, la pluie torrentielle et l'inondation peut faire dégâts, plus que 3000 personnes fin bizin évacuées. Merci pour fidélité l'ONU Bansen. Dans Flak Azrodi, Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth financier qui gouvernement peut prendre toutes les précautions nécessaires et considère l'avis de l'OMS concernant cannabis médical qui peut servir ZIS pour traitement. L'IFIN cause leur campagne nationale unie contre la drogue qui peut continuer dans le pays. Premier ministre peut continuer à écouter la voix Banzen, l'OSA Cisela. D'ailleurs, Azodi, l'IFIN a dans trois collèges qui trouvent dans l'Est et que l'IDIA qui l'ICIA avec le soutien pays pour réussir à combattre la drogue. Zodi, chef gouvernement, fin aussi affirmé qu'il questionne la peine capitale pour ban trafiquant reste un débat délicat. Reportage. Monsieur, une première question, c'est dans Maurice, c'est en sa protection. Oui, mais direct qu'avec question même. Maurice entend qui vient. Face à Premier ministre, Zotfin exprime son point de vue, mais Zotfin aussi dit qui son attente était. Cannabis médical, la peine capitale pour ban trafiquant, ban point d'entrée la drogue dans Maurice. Autour même la table, chef gouvernement Pravin Kumar Jugnauth répond à ban question. Comme un gouvernement, nous prenons toutes précautions nécessaires pour nous gagner la vie de l'Organisation mondiale de la santé. Dans le cannabis, c'est une prouvée qui est un élément là-dedans qui est capable de servir pour soulager un certain type de maladie. Et donc, Maurice nous peut adopter ça. Et c'est uniquement à utilisation point de traitement. Et il ne faudrait pas nous confondre entre cannabis lui-même et certains bon éléments du cannabis qui sont capables de servir. D'ailleurs, qui se fait un médicament. Tout cela est bien réglementé. D'ailleurs, ce médicament-là, il a une prescription seulement, sous l'avis d'un médecin. 90 élèves, depuis les Rajkumar Gajadhar, Mahatma Gandhi et Xel Ekraz Tilak, ils ne prennent pas à sa séance interactive-là. Seul objectif, c'est recueillir un témoignage et suggestions. C'est un Zimoun qui est un trafiquant de la drogue qui fait nous pas implémenter ben, la loi qui est faux, par exemple, pourquoi pas capital punishment. Chef gouvernement dit qu'il besoin adresse situation la drogue dans Maurice et il exprime sa confiance dans la jeunesse mauricienne pour gagner sa combat là. Moi, toujours, cause un langage de vérité. Et quand il y a une situation dans nos pays qui demande nous l'attention, nous besoin adresse lui. Et nous avons adressé, nous ne pouvons pas faire comme si il pas existé. Après qu'il m'a gagné l'occasion de discuter avec Ben Jeune jusqu'à ce jour, moi j'ai encore plus de conviction qu'ensemble, nous sommes capables de faire un travail extraordinaire. Je suis content de répondre à la question qu'il me posait. Auparavant, effectivement, nous tenions la peine de mort. Mais, arrivé à un certain moment, l'ancien gouvernement suspend la peine de mort. Donc, l'INO donne la loi, mais il n'est pas applicable aujourd'hui. Dans mon gouvernement même, il y a du monde qui est pour, mais il y a du monde qui compte aussi. Donc, il y a un débat bien, bien délicat. Et il demande, bien sûr, encore réflexion, on a une responsabilité pour être à l'écoute de tout bonne l'opinion et aussi tout bonne conséquence qui sont capables de faire. Par contre, nous sommes capables de dire aux autres qui nous pouvons agir, nous pouvons continuer à agir sans pitié contre les trafiquants.
Sa rencontre là peut faire dans le cadre de campagne nationale Unie contre la drogue qui est lancée à l'initiative Bureau Premier ministre. 206 étudiants dans faculté médecine et sciences la santé des PSSR Medical College fingent ce diplôme aujourd'hui dans réduit. À Stella, la plupart d'entre eux peuvent préposer pour commencer travail dans l'hôpital. L'important, on connaît qu'il y a aussi beaucoup d'étudiants des pilotes pays qui finent Ville Maurice pour une étude en médecine, parmi un tas indiens et qu'africains. Après 5 années d'études en médecine, je suis enfin prêt à entamer cette carrière au sein du milieu hospitalier. 74 étudiants finissent obtenir ce diplôme. Un moment de récompense marqué surtout par cette prestation de serment. Après avoir quoi gradué, nous passons un moment extraordinaire quand on monte l'aura stage là. Et next step, je pense, vis-à-vis sa spécialisation là. J'ai déjà fait mon internship en ce moment à Victoria. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Je t'expecte beaucoup de mon docteur, mais bizarre deliver the goods. Mais nous essayons de faire le maximum possible. Nous finirons le travail, mon pré-rege là, currently à SSONH, et que travail bien bon là-bas. Montrez-nous comment dire all the paperwork, comment vous examinez patient. Ban formation en médecine dans Maurice suscite également un grand intérêt parmi ban étudiants étrangers. De sa groupe de diplômés là, une soixantaine sortis principalement de l'Inde et que du continent africain. It was a long, difficult journey, but... C'est une longue période difficile, mais heureusement, nous fin arrive la fin. C'est un moment tellement spécial ici, dans Maurice. C'est une île magnifique. Mes parents finissent moi ici parce que c'est un endroit sûr pour étudier. Bien sûr, je pourrais tourner l'Afrique du Sud, mais je suis bien content. Installe-moi ici, Enzo, dans Maurice. Dans ce discours, ministre de l'Éducation fin souligne un rôle important d'un médecin. C'est un engagement de soi au service de la population. Médecine, ce n'est pas juste une carrière, c'est une vocation qui demande compassion, empathie, l'engagement pour bien être les autres. Pendant une carrière, ou une décision qui peut avoir un impact sur la vie, ou une connaissance pour permettre tout guérir Bandimoun, ou une compétence pour réconforter, et un dévouement pour apporter l'espoir à Bandimoun qui n'a plus besoin. Vos skills and bedside manners will comfort, and your dedication will bring hope to those who need it most. Sa cérémonie-là fin également marquée par remise de ban diplôme à ban étudiant de l'Université de Maurice qui fin primé dans ban domaine de nutrition, de la gestion et qu'informatique. D'après statistiques mauricieuses, population dans Maurice, Rodrigue, à Galega et Saint-Brandron, jusqu'à les 1er juillet 2023, fait 1 261 041 dimounes. Ce chiffre-là montrait une baisse de 1 par rapport à la même période l'année dernière. Nombre de madame fin augmenté par 15 059. Nous cause Jeux des îles de l'océan Indien pour athlétisme. Maurice Finn réalise triplé dans 100 mètres. Noah Bibi finge médaille d'or. Ban para-athlète Andorra Son et Melissa Prudence finent aussi gagne médaille d'or dans cette catégorie. Marie Perrier finne aussi gagne médaille d'or jeudi matin dans 10 000 mètres athlétisme. Ban athlète mauricien peut continuer à faire fierté nos pays. Triplé mauricien l'eau 100 mètres, Noah Bibi fin décroche médaille d'eau, devant tenant du titre Jonathan Baudotier. Finale 100 mètres, c'est parti. Donc, alors Noah Bibi pour l'instant il a l'avantage assez facilement. Je pense qu'il va se diriger vers la médaille d'or, la deuxième place Orphée Topiz va essayer de s'accrocher. Triplé mauricien peut-être oui, triplé mauricien avec Noah Bibi qui s'est imposé. Orphée Topiz, Jonathan Baudotier se sont joués les deuxième et troisième places.
Nous trois représentants dominent donc ça, les coups là et que je ne suis pas capable de rêver mieux. La différence était au départ et mon travail au maintien aussi, parce que c'est là que mon petit fini faible dans les courses, mais mon sixième les courses, mon récit reste concentré dans ma tête et mon récit finit les courses bien. C'est pas si facile vraiment parce qu'il nous voit cette année-là, même si pas dans une top forme, mais il y a une de qualité. Et moi, je n'ai aucun regret, je passe le flambeau parce qu'il a 2010, je me suis gagné les Jeux des Îles. Et cette année-là, l'ingénie, je n'ai aucun regret parce qu'il y a un jour qui m'a adoré, un jour qui m'a respecté. Moi, j'ai une fierté, mon récit gagne le pomme des idoles, on fait 3e aux Jeux. Et mon premier Jeux des Îles, mon récit gagne le pomme aux Jeux, mon top jeu à côté des Jeux. Premier médaille d'eau en athlétisme signé Marie Payet, n'y pas fin de ses voiles aux 10 000 mètres et qu'elle y monte comme un chipiatane le plus haut moche podium devant Cathy Motour. Je suis très heureuse de ramener cette médaille d'or, c'était mon objectif aujourd'hui. Donc très contente de ramener la première médaille en athlétisme. Et le départ s'est bien passé, les filles n'ont pas voulu mener la course, donc, ce qui m'a permis d'imposer mon rythme dès le début. En sport adapté aux 100 mètres, nous retenir l'eau ramenée par Mélissa Prudence, par athlète Andorra Son et son guide Loïc Bagirati finit également briller aux 100 mètres et l'autre jolie performance pour Maurice. Déjà, premièrement, moi je suis extra content pour mon médaille d'eau et là, je vais apprendre que mon cache record des Jeux une deuxième fois dans la même journée, je suis extrêmement content. Domination mauricienne dans lancer poids masculin, inévitable Bernard Baptiste finit premier. Dans la boxe, nous finissons assister à une domination mauricienne. Nous finissons 7 médailles d'eau parmi Richard Nicolin et Mervin Claire. Bana finale, peut toujours continuer. Pourquoi pas miser sur une victoire mauricienne. 51 kg et 54 kg sont appelés pour la remise. Encore 6 nouveaux médailles l'eau pour Maurice dans haltérophilie. Anastasia Babé finit 3 médailles l'eau dans catégorie 87 kg, alors que Kelwin Djabou finit aussi 3 médailles l'eau dans catégorie 109 kg. Pour badminton, après que l'équipe féminine fin gagne médaille l'eau dimanche dernier, Zodi, nous l'équipe masculine fin bat Maldives 3-0 et fin monte le plus haut podium. Nous ban badiste peut briller dans Madagascar. Sélection masculine badminton fin remporte médaille l'eau samedi là. Julien Paul et ce ban coéquipier fin gagne tournoi par équipe dans 3 sets face à ban adversaire maldivien. Julien Paul fin bat maldivien Shahin Zaki, le score 21-10-21-9. Alexandre Bongou fin imposé face à Ahmed Nibal 21-13-21-18. Et Kemptish Nanda fin gagné face à Mohamed Rachid, le score 21-13-21-13. Nous venons pour vivre à 3-0 là. Et tout le monde a fait ce travail, une entraîneur pour ça, et ça nous prouve là au terrain. On a une assez solide aussi, surtout avec l'équipe jeune à 19 ans. Il a prouvé qu'il est champion d'Afrique moins 19. Et même Alexandre, tout le monde est en forme et nous sommes bien contents de la victoire. Là. On savait que l'équipe de Madi n'allait pas être facile à battre. C'est une très bonne équipe techniquement, ils s'entraînent en Asie. Mais quand même, on était mieux tactiquement sur le terrain. Nous avons bien géré toute l'équipe. Je suis très fier de mes coéquipiers. Et nous avons pu remporter la médaille d'or, conserver le titre. Donc je suis très fier de tout le monde. Très fier, très content. Commencement, j'étais un peu stressé, mais après le premier set, je me suis géré. Alors, j'étais un peu plus content. Premier jeu des îles, et une médaille d'or pour moi. Très, très content. Alors, ça reste un souvenir tout le temps. Pour rappel, l'équipe féminine de Maurice finit également en remporte médaille d'or. Nubana Tifi finit bat tour à tour La Réunion, Maldives et Mayotte. Compétition individuelle pour débuter ce mercredi là. Ben les autres médailles d'or pour capables tomber dans le camp mauricien. Mediatrust fin regroupe ban journalistes différents la presse dans pour lui pour travailler ensemble pendant une atelier travail l'eau des eaux fin discute l'eau qui façon se capable collaborer pour sensibiliser ban dimoun l'eau VIH et crawl pills. Un autre état.
Pendant des jours, ban journaliste et professionnel de la presse pour gagner l'opportunité pour examiner ban avancée et ban défi du domaine du VIH pendant un atelier organisé conjointement par l'organisation non gouvernementale PILS et Media Trust. C'est l'événement-là pour permettre d'explorer de manière approfondie ban enjeu lié à la sensibilisation, à la prévention et à la lutte contre le VIH, tout en mettant l'accent sur le rôle crucial de ban média dans la lutte-là. Le journalisme est un véhicule de communication très important par rapport à la lutte contre le VIH au sein du pays, justement parce que c'est à travers le journalisme et cette communication qui influence et qui a un pouvoir d'influencer les perceptions et surtout pour combattre la stigmatisation et la discrimination. Ban journaliste pour ainsi gagner l'occasion pour explorer ban approche éthique pour aborder le VIH dans ce travail. Apprendre en tant que journaliste comment traiter le sujet à la rédaction, dans le journal, lorsqu'on a un papier à écrire ou même un reportage à faire. Parler de ce sujet comme il se doit pour toucher le maximum de personnes et sensibiliser sur ce sujet. Quand on cause sida, nous connaissons qui va un défi qui peut atteindre nous, qui sont un traitement, nous pouvons cause traitement. Et donc, en tant qu'animatrice, nous à la MBC, nous à la radio. Donc, à la radio, nous entertain, bien sûr, nous informe, as well, nous educate, as well, nous pas seulement pas santé à la radio, mais il y a un problème qui nous fait un dossier, donc un sujet très, très intéressant. Ça, l'atelier de deux jours là, et n'a pour but non seulement pour renforcer ma connaissance de mes participants lors de l'avancée et défi du VIH, mais également pour mettre en lumière le potentiel puissant des médias pour créer un impact positif dans la lutte contre sa maladie là. Metro Express Limited peut continuer sa campagne sensibilisation la sécurité ban passager. Azodi, ce ban membre fin cause avec ban dimoun avec un handicap pour expliquer zot qui ban facilité fin mettre à sa disposition cause de prendre métro. D'ailleurs, Azodi, ministre Alan Ganou, est également présent. Pour rendre le trajet dans métro. À cela, nous guettons nouvelles dans notre pays, dans la Chine, province Hunan, fin enregistré record l'appli. D'après ban prévisionniste hier, les temps pour continuer dans l'appli torrentielle pendant des jours et que ça pour continuer faire ravage dans le pays. Plus qu'il 3000 dimoun fin bizin quitte province Hunan à cause ban inondation. Ancien président de l'Amérique, Donald Trump, passe tribunal fédéral dans Washington. Les quatre mois derniers fin passe dans le tribunal Washington à cause de la pression qu'il fin fait dans l'élection 2020. Alors qu'il est parti d'accord avec sa date-là qui fin fixée par juge Tanya Chutkan, il dit qu'il est pour de recours. Nous guettons nouvelles les temps pour prochains 24 heures, à soir et grand matin, demain grand matin, les temps pour couvrir dans l'Est, les Sud et globalement avec un peu la pluie. La journée aussi, les temps pour couvrir et pour aussi dans la pluie dans l'Est et globalement température minimale pour entre 15 et 17 degrés au plateau central et en 19 et 22 degrés sur la côte. Température maximale, par contre, pour entre 22 et 24 degrés au plateau central et entre 26 et 28 degrés sur la côte. Demain grand matin, soleil pour lever, 6h20. Nous fin arrive à la fin du journal. Un plaisir de retrouver vous. Merci au fin suivre l'information l'ONU Bansen. Je vous souhaite une bonne soirée.